Nous sommes devant l'église de Bouxières-aux-Dames, c'est l'église Saint-Martin. Je suis avec Jean-Luc Colomba, c'est le président de l'association Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières, une association qui s'est battue pour faire revivre un patrimoine exceptionnel qui se trouve à l'intérieur de cette église. Très rapidement, pour vous situer, en 1974, on se rend compte que des peintures et des fresques sont recouvertes par un enduit. Mais il va se passer plusieurs dizaines d'années avant qu'une restauration soit entreprise. On va aller voir ça ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus encore sur l'église Saint-Martin de Bouxières-aux-Dames, je vous renvoie sur le site rcf.fr pour écouter l'émission réalisée avec Jean-Luc Colomba qui nous présente en détail les fresques, les peintures et les autres trésors présents dans cette église. Par ailleurs, notez que Jean-Luc Colomba sera ravi de proposer des visites guidées sur demande. Le plus simple est d'entrer en contact avec l'association Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières.